Cher futur moi de 28 ans, alors déjà bonjour ou bonsoir, comment vas-tu? J'espère que tu as une réponse positive pour une fois. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie actuellement? Tu travailles, tu es au chômage, tu fais toujours des études, tu es devenue tatoueuse, peut-être psychologue ou psychothérapeute, ou peut-être même avocate. Est-ce que tu es entrée dans l'université que tu voulais de ton choix? J'espère. Et est-ce que tu as eu ton bac? Au talent, mais est-ce que tu as eu ton bac? Comment t'es physiquement? Est-ce que tu as de nouveaux tatouages? J'espère que oui, beaucoup. Est-ce que tu as de nouveaux piercings? Est-ce que tu as grossi, maigri, grandi? Bon, après 20 ans, c'est un peu impossible de grandir, mais j'espère quand même que t'as grandi parce que 1m68, c'est. Voilà. J'espère que tu fais du sport. Enfin, pas vraiment du sport parce que. On n'aime pas trop le sport, mais j'espère que tu fais au moins de la musculation. Est-ce que t'as trouvé par quel prénom tu voulais qu'on t'appelle? Icar, Nel, O'Donnell, toujours. Tes pronoms sont toujours les mêmes. Elle et elle, ou ça a changé, c'est devenu il, ou peut-être tu es revenu à elle. T'es toujours amie avec ta même bande d'amis, Nora, Angine, H, etc. J'espère que oui, hein. J'espère. Parce qu'avec Nora et Angine, on avait décidé d'aller. Enfin, de partir ensemble et de faire nos études au même endroit, etc. Donc, j'espère que tu es toujours amie avec elle. Que tu as une copine aussi. Parce que la vie de célibataire, c'est bien, mais au bout d'un moment, après 18 ans, il faudrait que ça s'arrête. Est-ce que tu te sens aimée maintenant? Est-ce que tu as trouvé des personnes qui te font te sentir aimée, des personnes qui t'entourent, des personnes qui prennent soin de toi, des personnes qui s'occupent de toi, des personnes qui te montrent qu'elles t'aiment, qu'elles tiennent à toi, qu'elles t'apprécient. J'espère que tu es fière de toi. J'espère que tu t'aimes. Maintenant, parce que pour l'instant, là, c'est pas trop ça. Donc j'espère qu'après 10 ans, tu auras évolué à ce niveau. Est-ce que tu as réussi peut-être à vaincre ton anxiété, la déprime, tes TCA, troubles alimentaires, etc. J'espère que oui, hein. En tout cas, je tiens à dire à le ou la future. Nel, ou peut-être Ricard, ou peut-être juste O'Donnell. Ça dépendra de quel prénom que tu auras choisi. Je tiens à te dire que je t'aime. C'est un peu tôt, puisqu'on n'a pas encore vraiment découvert le sens de l'amour propre, etc. Enfin, comment s'aimer. Mais je t'aime. Et je te dis à dans 10 ans. On se verra dans 10 ans. Voilà. Regarde-moi, te souviens-tu? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenu? Est-on parti? Ai-je changé? J'étais perdu, m'as-tu trouvé? Cher futur moi, jumeau lointain. De moi à toi, à quoi ressemble le chemin?